Ils étaient déjà irrécupérables. Irrécupérables. Ah oui, c'est un métier. Mais là, on ne peut plus rien faire pour eux. La tribu signe son retour sur Jam avec un gros cadeau. Pour sa saison 10, le 7-9 devient le 6-10. C'est dans quoi vous voulez me mettre, madame? C'est dans mensonge de soi. On y malgré, on y malgré. On y malgré, on y malgré. On est droit de la là-haut, on y malgré. On est droit de la tout là-haut, on y malgré. Ziakato, 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 on y malgré. T'as envoyé mon poulet, Boua. Boua. D'accord. Il va payer. Restituez-moi le contest. Boua. Tu dois nous dire pourquoi est-ce qu'à la fin, un homme peut dire à une femme, tu as mangé mon poulet, Boua. Donc raconte une histoire qui va se terminer par voilà pourquoi l'homme a dit, tu as mangé mon poulet, Boua. Ah. Bon, il y a la chanson du conte, hein. Attends, dis-moi, dis-moi. C'est dans la forêt noire. Boua. Tu as mangé mon poulet. C'est un crime. Boua. Tu vas me payer. Boua. Yedi, tu as mangé mon poulet. Boua. Tu vas me payer. Yedi. Boua. C'est dans la forêt noire. Alors, c'est un. Ah, c'est Boua là. C'est dans la forêt noire. Histoire, raconte. C'est moi qui raconte. C'est toi. C'est toi. Oh. Ah, c'est gâté. Alors donc. Après, tu te petit m'a dit. Mathias. Yo. On est provisoire dans notre méchant. Quand on dit Ouraïa, on dit Ouraïa. Ah, Ouraïa, on était pas loin. Après, j'ai petit bâti. Matiasa. Ouraïa. Ouraïa. Ah. Yeah. Et. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était une fois. Une belle fille. Il savait qu'elle était jolie, la mec, fille. Mec, la fille, quand tu vois ses yeux. On dirait Bill Congo. Bill Congo qui s'assomme Congo Brazza. J'ai dit Congo, les deux Congo réunis. Quand tu vois ses cheveux, on dirait Mami Wata. Mais sa petite bouche, on dirait une fille peul perdue dans le désert. Tellement sa bouche est petite, elle ne peut même pas manger. Cuillère rentre pas dans sa bouche. Non, sa bouche là, on avale, c'est un coup, on ne mange pas. Mais quand tu vois sa forme, sa forme. Non. On dirait la petite bière importée là. Yeah. Tu as mangé mon poulet. Tu vas payer. Tu vas payer. J'ai dit, Boua. Alors, il y a un étranger qui débarque dans le village. Il y a toujours un gars. Il n'est pas intelligent. Quand étranger lui arrive dans un village, demande. On dit que l'étranger a gros yeux, mais il voit rien. Pas. C'est toi au moins. Quand lui s'est promené, c'est comme Joe. C'est sur la fille, ses yeux sont tombés. Tu n'es pas intelligent. Elle s'appelle Rokia. Yeah. Rokia, comme mon portable. Rokia. Mais Rokia, mais déferler la chronique. Wow, ça veut dire quoi ça? Quand tu vois Rokia, tu ne peux pas t'empêcher de crier. Mais c'est quoi ça? L'oiseau rare. Mais il me faut ça. Ouais. Ah, c'est bon, il m'a dit. Ouais. L'étranger part alors à la conquête de Rokia. Oh, quel téléphone. Il dit à Rokia. Ouais, ton chargeur. Quand je te vois, tes yeux m'envoient des flèches. Quand je te regarde, ta bouche m'envahit de chaleur. Quand je te regarde, ta forme me perd dans le désert. Et quand j'analyse tout ça, vraiment, tu me transportes dans un monde inconnu. Et l'amour fait de moi une victime résignée. T'as payé. Boua. Yedi, t'as mangé mon poulet. Boua. Tu vas payer. Boua. Après, le petit m'a dit. Mathias. Ouais. La fille dit.
tu me veux, dis la vérité. Il oui. dit oui, oui, tu as vu ça. Mmh. Et 14 février, Saint-Valentin. Tu fais quel travail? Elle, le monsieur dit, je suis boucher. Il n'entend pas quoi? Elle dit, mais je fais quoi? Elle est boucher. Si je te parle avec quoi, tu vas entendre. Alors? Il dit, non, je vends viande. Ah. Il dit, d'accord, apporte-moi un demi-bœuf. Et puis on va analyser. Oui, oui. Il s'en va, il apporte le demi-bœuf. Oui. Une semaine s'écoule. Yeah. Il revient. Il dit, on peut aller chez moi. Elle dit, non. Non. J'attends d'abord. Apporte-moi un demi-bœuf. Il vient avec le demi-bœuf. Oui. La fille, elle fait passer ça. Une semaine s'écoule. Alors, tu reposes. Le gars revient. Il dit, Rokia, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, j'ai envie de manger poulet. Après bœuf, là, c'est poulet. Après bœuf, là. J'ai mon poulet. C'est poulet. Boua! Tu vas payer! Yeni! Boua! Tu as mangé mon poulet! Poulet. Mathiasa. Mais j'ai appelé le gars, j'ai dit attends, fais attention parce que moi j'étais présent. J'ai dit fais attention, là où tu rentres là, garçon rentre pas là-bas. Tu es venu nous trouver ici. Il n'est pas intelligent. Il faut nous demander d'abord comment elle est, Rokia là. On ne mange pas pour elle. On décharge sa batterie. Il dit non, moi là. Je vais frapper ça. Sans chargeur. La fille dit bon, et mon poulet, il dit allons. Ils sont allés manger poulet piqué. Même pas poulet, tu poulet piqué. Poulet piqué. Poulet, on l'envoie à l'infirmerie et puis on pique ça. Ils l'ont piqué. Et ils sont partis. Il allait payer quelque part. Il dit, on va se reposer ici. Eh bien, allons se reposer. Allons se reposer. Attends. Oh, oh. Après, je vais te demander. Mathias, ça va. Voilà la partie là. Les voilà maintenant entre quatre murs. Ouais. C'était quoi? Passage, mais c'était pour la nuit. Quatre. Hein? Ah, bouha! Tu vas payer. Non, Mike, faut arrêter ça. Mike, faut arrêter ça. Pas au vieux père. Bon. Mike, faut arrêter ça. Je te pose la question. C'était pour passage, mais c'était pour la nuit. Quel passage? En quatre murs, là. Quel passage? Moi, je ne sais pas la différence entre passage et la nuit. D'accord. Je ne connais pas ça. Donc, Mike, il ne faut pas me dire ça. Il ne faut pas me demander ça. Je ne peux jamais te goûter ça. Donc, moi, j'étais là, je les regardais. Ils étaient entre quatre murs, hein. Et moi, je les regardais. C'était Wonzo, c'est. J'ai dit, c'était chaud, hein. Yeah. Chaud était chaud. Yeah. Yeah. Rokia a dit, je suis venu pour me reposer, c'est pas pour travailler. Ah. Une lutte s'engage alors. Oh. Elle met mon ami à tête. Tata criou. Criou. Mon ami aussi se relève, il met Rokia à tête. Tata crou. Et puis, tata tétené. Tétené. J'ai dit, Rokia, Rokia, tu as mangé son poulet. Tu veux quoi? Elle dit, non. Monsieur Gohou, laisse-nous. Où je suis là? Je suis fermé. Ah, j'ai dit, d'accord. C'est l'esprit. Allez-y. L'esprit. Fermé. J'ai dit, mon ami, l'esprit. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, Gohou, laisse-nous. Toi, Rokia, là, tu as mangé mon poulet. Aujourd'hui, là. Tu as mangé mon poulet. J'ai dit, tu as mangé mon poulet. Hein? Tu vas payer! Payer! Tu vas payer! Payer! On a plaisir! Moi j'étais dehors! Le pantalon de Rokia m'a trouvé là-bas! La camisole de Rokia m'a trouvé dehors! Le soutien m'a trouvé dehors! Et le reste a suivi! Et j'attends maintenant, tu vas payer! On applaudit Gohou Michel, s'il vous plaît. Ouais. Allez, jingle. Ils étaient déjà irrécupérables. Irrécupérables. Ah oui, c'est un métier. Mais là, on ne peut plus rien faire pour eux. La tribu signe son retour sur Jam avec un gros cadeau. Pour sa saison 10, le 7-9 devient le 6-10.